Vas-y, Cookie. Hop, je ramasse ton kit. Putain. Oh, les mecs, un mythix. Bah. J'ai pas d'arme. Une grenade. Micro, c'est n'importe quoi. C'est parti pour ce défi numéro 9. Let's go. Fait chaud là-dessous. Et salut à tous, c'est Furious. On se retrouve pour le 9e défi de Fufu déjà. Alors, il s'agit pour cette fois-ci d'un défi envoyé par Björg Evolution, un joueur des Aussies que j'avais rencontré à la All-Star League et était en face de nous, dans la Team Aussie. Donc il s'agit à chaque fois que je tue un ennemi de ramasser son kit et ainsi de suite et de finir par un ratio de 2 ou 3. Alors, je vais choisir pour ce défi-là de faire un petit match à mort, parce que c'est un peu plus intense, il y a un peu plus de... Bah voilà, de kill à faire, etc. Donc je trouvais ça un peu plus intéressant que, banalement, de la conquête... Si ça avait été de la conquête, je l'aurais fait sur Metro ou Bazar et ça aurait été un petit peu plus... Bah voilà, un petit peu trop restrictif. Bon là, on va voir, je vais faire tout de suite un petit kill. Alors, je vais pas trop commenter le gameplay parce que maintenant que je peux faire des lives sur YouTube, il m'est venu un petit peu une petite idée. C'est de partir un petit peu dans le même délire que les défis de Fufu, mais faire des lives de Fufu. Ce serait en fait des lives où je jouerais avec vous, mes petits abonnés chéris, et avec une soirée à thème. Alors, c'est-à-dire qu'on prendrait par exemple le mercredi ou le, enfin, n'importe quel jour de la semaine comme soirée de base et vous choisiriez un thème tout simplement. Alors que ça pourrait être par exemple une soirée venez me piquer ma plaque d'Ice Friend par exemple. Tout le monde vient se mettre en mode couteau, on réinvente le zombie sur Battlefield et vous tentez de venir prendre ma plaque par exemple en maître d'armes ou etc. De se faire comme ça des petites soirées à propos de cutter, voilà. De faire des petites soirées à thème, une soirée only cut, une soirée only pompe, etc. Tout ça en live sur ma chaîne. Histoire bah, de venir, de jouer, de poser des questions peut-être, de délirer ensemble, etc. Voilà. Si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à la commenter dans les commentaires. Ouais, de commenter dans les commentaires, c'est assez... Ça porte bien son nom. Et puis bah si vous avez... on partira dans le même principe que pour les défis. Hein, vous proposerez une idée de soirée... dans les commentaires et celui qui aura le plus retenu votre attention bah, se retrouvera pour la soirée suivante. Alors, on va voir que lui il m'a totalement esquivé là. Dommage de loup. Donc on voit hein, je ramasse bien tous les kits hein. Je crois que de toute la game je vais bien y arriver en gros hein. Donc on se retrouve sur Karg en match à mort, c'est une des cartes les plus jouées. Là j'ai voulu aller ramasser le kit mais le mec m'a pas laissé faire. Vous allez voir qu'en face, il y a donc Supermousse 78. Je sais pas si je vais montrer très souvent les comment ça s'appelle le tableau des scores. Mais il y a plusieurs joueurs qui s'amusent à me rejoindre assez souvent. Là. Donc là, Like Predator notamment. Il me semble qu'on a aussi The Wipeout Warrior et Bladed Hunter. Qui, voilà, Wipeout Warrior, là on voit sa balise. Qui me rejoignent quasi systématiquement dès que je suis sur un serveur public pour venir bah, me choper mes plaques d'Ice Friends justement. Ils s'amusent. Wipeout Warrior a d'ailleurs fait une petite vidéo à sujet d'un jour où il m'a piqué ma plaque. Petite vidéo, hein, il fait un petit journal de bord des plaques d'Ice Friends qu'il récupère. C'est assez marrant à regarder. Donc sur Karg, une map que j'aime pas mal en match à mort parce qu'il y a toute la zone des conteneurs là où ça se fight de manière assez intense. On peut faire des retournements, là je récupère une arme assez dégueulasse. Je crois que c'était une P90 avec un viseur nocturne, là j'avais jamais vu. J'avais très rarement vu un viseur nocturne, je vais m'amuser à tirer dessus avec, voilà. Hop, P90, voilà, bah, Wipeout Warrior justement. Qui est là donc pour me cutter exclusivement, hein. C'est pour ça que vous allez voir peut-être des espèces de petits pigeons qui s'amusent à courir n'importe comment. Dans la carte. Il s'agit hein, pour les nommer hein, de Wipeout Warrior, Supermousse et Bladed Hunter qui sont toujours à mes trousses. Là je vais réussir à récupérer le kit mais malheureusement je vais pas choper le kit parce que j'ai chopé un peu un sniper et lui hein, Like a Predator il était là juste pour mettre le coup de couteau. Comme je le disais tout à l'heure, hein, ils sont vraiment là acharnés pour venir me mettre un petit coup de cut par derrière et récupérer mes plaques. C'est vraiment marrant parce que notamment avec Vichenko on s'est retrouvé dans des parties où il y avait 3, 4, 5 mecs qui nous rushaient dessus. Couteau sorti, à même pas nous tirer dessus, enfin, c'était vraiment hallucinant.
Pour cette game, donc j'ai pris un serveur 100% pour pas avoir une game trop longue pour vous, et bah, c'était surtout pour vous proposer l'idée des lives de Fufu, hein. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mon live sur Endgame, mon premier live où je vous ai fait vivre la Coupe de France, où je vous ai fait vivre un petit scrim en 12v12, un autre en 5v5 hier. C'est parce que je recorde la vidéo jeudi, c'était hier mercredi. La qualité, je suis vraiment extrêmement bluffé, hein, parce que bah, en fait tout simplement les lives limite ils sont mieux que les vidéos, hein, pour la 360p limite le rendu est meilleur que pour mes vidéos. J'étais vraiment sur le cul. Juste pour vous préciser un petit peu sur pourquoi je change de classe à chaque fois, hein, je m'étais comme ça automatiquement forcé à chaque fois que je meurs à changer de classe, histoire de varier également bah, dans les classes que je prends. Comme ça, bah, histoire ça reste un petit peu dans l'esprit du défi, hein, c'est... Bah voilà, changement de classe, enfin changement de kit. Hop, là je lui mets un joli fast-cop. Je crois que Derk the Mighty aussi était en train de me rejoindre depuis tout à l'heure. Je vais faire une jolie petite séquence, je crois. Hein. Mais hop, je vais en rechoper un autre. Voilà, lui il était la pompe cutée. Super mousse. C'est pour ça que vous voyez les mecs, lui je croyais qu'il me cutait, mais en fait pas du tout. J'étais un petit peu excité, hop, lui je l'ai entendu, il était dans mon dos. Wipo Warrior, voilà, qui était là encore pour me cutter. Hein. Ils sont vraiment un couteau tiré, c'est vraiment marrant de les voir courir n'importe comment. Là. Dans la zone, lui, il voulait cutter mon copain, mais c'était moi qui le cherchais, c'était moi, oui. Et c'est là que c'est bien dans cette map, c'est que bah, justement, avec les containers, on peut... là, voilà, hop, lui aussi, essayer de cutter, et par contre, je vais finir par me faire tuer quand même. Avec les conteneurs, on peut partir en délire de courir partout, de faire des tours de conteneurs pour essayer d'esquiver les gens. Ça permet de, bah, voilà, de réussir à s'enfuir. Alors eux, je vais volontairement pas leur tirer dessus, parce que je voulais pas avoir à aller chercher leur kit à l'autre bout du milieu de la map là. Je m'étais volontairement absous de ce kill. Par contre bon, évidemment je suis décédé derrière, bon c'est un petit peu dommage. On a vu là je faisais du 16-5 il me semble, si j'ai bien vu. Hop, là je m'en vais chercher son petit kit. On en fait un deuxième, mais malheureusement j'ai pas réussi à choper le deuxième kit pour choper un autre kill derrière. Là je sais pas si je vais mettre le tableau des scores histoire qu'on voit un petit peu où on en est. Allez Fufu, t'as bien affiché le tableau des scores à un moment quand même. Loulou. Alors là voilà, là lui je le tue vraiment au loin. Je pars en mission récupération de kit. Il reste que 3 tickets en plus et je suis là à me dire un petit peu que ça sert peut-être à rien. Hop, au final je le trouve pas parce que le mec a dû disparaître. Et j'ai fait tout ça pour mourir à la fin. Voilà. Super. Une opération menée de main de maître pour rien. Voilà, c'était magnifique. 19-7, donc on est dans le cadre du ratio de 2 ou 3 qui m'a été. Ah 19-8, on a vu, hein, ça s'est passé juste à 8. Hop. Donc 8-8-16, donc on est au-dessus du ratio de 2, qui était l'objectif imposé par Burg Evolution. Donc je considère que ce défi est évidemment réussi. Je vous invite comme d'habitude à aller laisser dans les commentaires un petit défi qui vous passe par la tête, un défi que je m'amuserai à réaliser. Celui qui recevra le plus de votes, je tenterai de le réaliser. Celui-ci m'a posé quelques soucis, hein. J'ai mis 4-5 games avant de le réussir. Hein. J'étais sur traversée de la Seine avant, là je tombais toujours sur des groupes de 2 ou 3 personnes. Et c'était vraiment très tendu d'atteindre le 2 de ratio, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Voilà! Salut à tous, c'était Furious, bonne soirée, n'hésitez pas à commenter les défis, le live de Fufu. 5-8, je vais faire 3 kills qui me sont passés par la tête pendant que je fasse, là. Ce petit... Ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Salut à tous.